Bienvenue! Vous vous êtes perdu sur YouTube et aujourd'hui, nous allons parler de... Désolé. Allô, oui? Écoute-moi bien attentivement. Tu vas faire très exactement ce que je vais te demander. Désolé, monsieur, mes parents sont pas à la maison. Rappelez lundi. Au revoir, bonne journée. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de... Allô, oui? Ne raccroche pas! Je détiens quelqu'un de très important à tes yeux. Batman! Quelqu'un de réel. Batman n'existe pas? Je détiens de tes proches. Bah, ça m'étonnerait. Bah, pourquoi ça? À part ma coloc, je connais pas grand monde. Enfin, en tant qu'humain, quoi, je connais personne, quoi. C'est méga triste. Enfin bref, que peux-tu en déduire si ta coloc est ta seule proche? Que vous l'avez kidnappée? Bah, ça m'étonnerait, on est en train de tourner depuis... Oh! Ça explique pourquoi c'est super calme depuis tout à l'heure. Alors écoute-moi attentivement avant que quoi que ce soit n'arrive à ta coloc. Attendez, mais c'est trop fou que vous m'appeliez pour ça! C'est exactement le thème du jeu que j'allais aborder! Comment ça? Inscription est un jeu d'horreur créé par Daniel Moulins en 2021 et édité par... Devolver Digital! Oui, encore eux! Mais ils sont toujours dans les bons goûts, ma parole. Oh, qu'est-ce que je les aime. Daniel Moulins a d'abord eu l'idée du jeu lors d'une Game Jam en 2018 où le thème était... Les sacrifices doivent être faits. Ah non, mais moi, ça n'a rien à voir avec des sacrifices. Non, mais ça va arriver. Promis, vous allez vous reconnaître. Nous commençons le jeu assis à une table. Les ténèbres nous font face. Et comme le dit si bien Nietzsche, si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Et il ne mentait pas, le Nietzsche, car de l'obscurité ressortent deux yeux qui nous expliquent le plus sereinement du monde les règles d'un jeu. Mais pas n'importe quel jeu, un jeu de cartes à collectionner. Un jeu de cartes à collectionner? Mais qu'est-ce que c'est, allez-vous me demander? Non, ça va, je sais ce que c'est. Non, mais là, je parle aux gens qui regardent la vidéo. Oh, pardon. Pas de soucis. Une petite minute. Si je vous parle d'un jeu de cartes à collectionner aujourd'hui, il y a fort à parier que la plupart d'entre vous se remémorent de vagues souvenirs durant la récré à l'école primaire, d'échanges de Yu-Gi-Oh! Ou autres Pokémon, ou dans de très rares cas de Digimon, basant leur valeur sur leur point de vie ou la façon dont elles brillent. Mais, comme leur nom l'indique, ces dites cartes ne servaient pas seulement à être collectionnées, mais bien à être jouées dans des duels, avant d'avoir comme but de se vendre à... Combien ? Le premier jeu de cartes à collectionner n'est autre que le cultissime Magic the Gathering, créé en 1993. Les règles du jeu sont simples, éliminer son adversaire grâce aux différentes compétences de ses cartes que l'on pourra invoquer grâce à d'autres cartes ressources. C'est donc un jeu de stratégie qui demandera au joueur de créer son propre deck pour tirer avantage des mécaniques de certaines cartes, mais surtout de combiner les pouvoirs de ces dernières. Et ces dites cartes peuvent être acquises dans des decks de base préconstruits, soit dans des boosters, avec des cartes aléatoires qui viendront compléter les decks de base, soit encore à l'unité, car les cartes avec les stats de fou seront vendus au prix d'un rein et que du coup les personnes qui mettront beaucoup d'argent dans des cartes ultra pétées casseront forcément la gueule à des pauvres petits prolétaires avec leur pauvre deck de base. Et donc avec mon premier terrain, je peux invoquer ma première créature et voilà la fin du jeu. Et moi, grâce à ma carte du pacificateur de millénaire, obtenue grâce à mon pouvoir de riche, je te foudroie sur place et tu perds 40 000 milliards de points de vie. Et une partie de Uno, non? Dire que Magic a inventé le pay to win, il n'y a qu'un pas, que je ne ferai pas. Et d'ailleurs, son système de jeu ultra simple a permis à plein de marques différentes de proposer son univers en cartes à collectionner. Et autant vous dire que des licences qui ont souhaité se faire de l'argent, il y en a un paquet de cartes. Petit aparté pour les tatillons, les jeux de cartes à collectionner ne sont pas des deck building, qui n'a rien à voir avec la construction de terrasses, mais bien un autre système de jeu de cartes qui demandera aux joueurs de s'affronter avec des cartes similaires en début de partie, avec la possibilité d'en acheter de nouvelles pour améliorer son deck au cours de la partie dans une boutique commune. C'est un type de jeu que je trouve, pour ma part, bien plus équilibré. Et oui, je sais ce que vous allez dire. Mais pourtant, dans le titre de la vidéo YouTube, il y a écrit « deck building » et pas « jeu de cartes à collectionner ». Oh mensonge, oh disgrâce. Mais oui, putain, c'est compliqué de trouver un titre YouTube. Vous pouvez faire mieux, vous, d'ailleurs? Non, je crois pas, non. Ce gros nul. Vous parlez toujours à vos abonnés, là? Oui. Oui.
connard. Bon, en vrai, je chipote. De toute manière, c'est pas le jeu de société game de YouTube qui va me tomber dessus. Y a-t-il quelqu'un de vivant ? Mais revenons au jeu. Notre adversaire nous apprend les règles. Les cartes ont un coût, et la monnaie n'est autre que le sacrifice d'autres cartes. En gros, si une carte coûte une goutte de sang, il va falloir sacrifier une carte. Si une carte coûte deux gouttes de sang, il faudra sacrifier deux cartes. Et plus la carte sera forte, et plus son coût sera élevé. Et je vous avoue que c'est pas parce que j'ai revu Toy Story récemment et que les cartes représentent des animaux de la forêt que je vais me sentir mal de les sacrifier. Ça va, c'est que des cartes après. Une petite minute. Replay ? J'ai jamais dit que je m'appelais comme ça. Non, mais pas vous. Je demande le replay ? Ok, cette carte vient de me parler. Après, dans Yu-Gi-Oh, on nous demande bien de croire en l'âme des cartes. Mais de là à ce qu'elle parle... Et du coup, je lui ai dit, non mais tu m'as pris pour du papier Bristol ou quoi ? Ah mais je te jure, le magicien sombre, depuis qu'il a fait sa transition en magicienne des ténèbres, mais elle se sent plus pétée. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes ? Bah écoute, depuis que je suis avec Exodia, ça se passe pas si bien que ça au final. Bon, faut dire que ça se passait pas très bien non plus avec Dragon, mais bon... Le blanc aux yeux bleus ou le noir aux yeux rouges ? J'en sais rien, je suis daltonienne. Enfin bref, c'est compliqué, je sais vraiment pas quoi faire. Mais vous avez essayé de parler quand même ? Bah on va dire que la communication est compliquée, on a que la jambe d'Exodia, donc autant te dire qu'elle entend un peu rien. Enfin bref, on va y revenir. Toutes les cartes ont une stat d'attaque en bas à gauche et une stat de défense en bas à droite. Les attaques se font automatiquement à chaque fin de tour. Les dégâts sur les autres créatures s'accumulent d'un tour à l'autre. Par contre, si une case vide est attaquée, c'est l'adversaire qui perdra des vies correspondant au nombre de dégâts reçus. Vies qui seront d'ailleurs représentées sous forme de poids, qui s'entasseront sur le plateau de la balance qui leur est associée. Quand le plateau d'un joueur touche la table, il perd la partie. Et autant vous dire qu'avec ce type chelou comme adversaire, j'ai tout sauf envie de perdre face à lui. Et merde. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'Inscription n'est pas qu'un simple jeu de cartes. Quel moment ? Bah, ce moment-là. Ah non, mais moi je n'ai aucune image depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Alors, en gros, le mec en face de nous nous demande de nous lever, puis... Oh bah attends, en fait, je m'en fous. Tu vas m'écouter très attentivement, ou tu ne reverras jamais ton ami. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il me dit que c'est vraiment elle ? Vas-y, parle. J'entends rien du tout. Oui, ben oui, elle dit rien. Pourquoi ? Est-ce qu'elle dort ? Ah non, non, elle est bien réveillée. Elle me regarde dans le blanc des yeux sans rien dire. Elle est bâillonnée. Alors là, aucune idée. Je suis quasi sûr qu'elle est née en France, mais alors où exactement ? À partir de là, on pourra se promener dans la cabane. Et on comprend qu'on est bloqué ici à jouer avec cet étrange personnage tapis dans l'ombre. On lui ramène le chandelier et il explique que chaque bougie correspond à une vie. Nos vies. Et je vous assure, on n'a vraiment pas intérêt à perdre. Nous avons aussi le droit à 3 objets pour modifier le cours de la partie. Des objets assez sommaires si je peux me permettre. Un écureuil bonus à sacrifier pendant un tour, des ciseaux pour éliminer une carte un peu trop gênante, ou même la pince qui permet de rajouter un poids en notre faveur dans la balance. Et pourquoi croyez-vous que tout le monde préfère collectionner les cartes Pokémon plutôt que de jouer au jeu de cartes en lui-même ? Alors si je joue Carapuce, il y a écrit que mon adversaire doit se couper un de ses testicules... Ça va aller ? Après, je l'ai pas encore joué. Oh bah mince alors. Par contre, votre Dracaufeu Shiny m'embête un peu trop, donc je l'élimine. Hein. J'espère que ça vous casse pas trop les pieds. Sinon, est-ce que vous vous souvenez de la carte qui parle ? Eh bien, toute l'histoire va s'articuler autour de ça. On apprend que notre adversaire l'a enfermé dans cette carte contre son gré, mais qu'il connaît un moyen de s'échapper. Et d'ailleurs, c'est le sort qu'il nous réserve si on perd face à lui. Donc là, on est carrément en train de jouer et à un jeu de cartes et à un escape game, parce que tous les objets dans la cabane vont petit à petit nous mener à la suite du jeu. Nous continuons donc de jouer avec notre ravisseur. Et, il faut dire ce qui est, c'est un très bon maître du jeu. Il narre bien les situations, fait des décors en scrapbooking et joue carrément les rôles des boss. Non, franchement, il est fort. Bon, dommage qu'il kidnappe des personnes pour les forcer à jouer dans sa cabane, mais bon. Ah, personne n'est parfait. Par contre, je fais un super cake à la courge. Et encore une fois, je ne parlais pas de vous. Un cake à la courge. Du coup, on joue à son jeu tout en résolvant les énigmes de la cabane. Des règles vont venir s'ajouter. Certaines compétences de cartes, des améliorations, de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, jusqu'au boss final. Bon, malheureusement, la suite de ma critique ne concerne que ceux qui ont déjà fait le jeu, ou qui s'en foutent d'être spoilés. Mais vraiment, c'est trop bête de se gâcher une œuvre comme ça en se faisant spoiler. Donc je vous recommande chaudement de faire le jeu, puis de revenir ici. Pour ceux qui souhaitent ne pas être spoilés, mais qui veulent savoir comment ça va se terminer avec lui, je vous redirige vers ce timecode. Et pour ceux qui désirent me voir chanter sans pour autant se faire spoiler, je crois que ça commence à ce moment-là, et ça termine à ce moment-là. Parce qu'après, je me remets à spoiler comme un gros bâtard.
Chanter. Ah oui, merde. Pour ceux qui souhaitent ne pas se faire spoiler que je vais chanter, remontez à ce moment et faites comme si de rien n'était. Après avoir réussi à vaincre notre adversaire dans sa forme boss finale, le bonhomme va nous féliciter avec un délicieux gâteau et... Oh my... Did I just... I think I just beat him! Oh... Donc lui, c'est Luke Carder, un créateur de vidéos sur internet spécialisé dans les ouvertures de boosters en tout genre. Un jour, il va faire l'acquisition en vide-grenier d'un booster Inscription, un vieux jeu de son enfance. Sauf qu'un des boosters est déjà ouvert et qu'une des cartes indique un emplacement où il se rend et trouve une étrange disquette nommée Inscription. Bref, vous l'avez compris, Inscription n'est pas qu'un simple jeu de cartes escape game. C'est aussi l'histoire de Luke qui joue au jeu Inscription que nous jouons à travers lui tout en suivant son enquête. Et plein de petits détails pouvaient déjà nous mettre la puce à l'oreille. Comme le fait qu'on ne puisse pas lancer une nouvelle partie en lançant le jeu pour la première fois, mais simplement continuer une partie déjà existante. Ah non, mais là, c'est une vraie mise en abîme qui fout vraiment le vertige. Exactement comme dans Paprika. Le Pisse. Exactement comme dans Inception. Je l'ai pas vu. Exactement comme dans La Vache qui rit. Ah... C'est du fromage, quoi. Oui, oui, c'est ça, le jeu, c'est du fromage. Mais quel fromage ! L'histoire est tellement intrigante et folle, et mise en valeur par une narration ultra inventive. Déjà, le fait d'avoir fait un escape game nous pousse à nous investir afin de dénouer tous les fils du scénario, ainsi que les mystères de ce jeu maudit. Mystères qui vous mèneront à une enquête en dehors du jeu, style ARG, que je ne vous raconterai pas déjà parce que c'est bien plus satisfaisant à trouver tout seul, mais aussi parce qu'une vidéo traite déjà du sujet, lien dans la bio. Aussi, le fait d'avoir à plusieurs reprises un changement de style de jeu et un changement de ton favorise beaucoup à l'appréciation de l'œuvre. À chaque fois qu'on pense avoir terminé une partie, ou même le jeu en lui-même, de nouveaux mystères viennent s'ajouter à la liste et renouvellent l'intérêt que l'on a pour le jeu, comme le moment où on trouve le bouton nouvelle partie. Et je rebondis sur ça pour souligner la justesse du game design. Par exemple, c'est tout con, mais le fait que certaines animations soient aussi violentes, bah, ça fait que la mise en scène est super astucieuse. Cela dissuade le joueur d'utiliser certains objets, car ils sont assez rares, et pourtant certains essentiels à la suite du jeu. Et c'est comme ça que le jeu passe d'un kidnapping un peu chelou à une histoire méta et carrément prenante. Ce qui n'est pas le cas ici, n'est-ce pas? Ah non, mais moi c'est pas un kidnapping, c'est une prise d'otage. Ah tiens, il y a une différence. Ah bah oui. Alors, la base reste la même. J'enlève effectivement quelqu'un, mais pas la personne qui m'intéresse directement. Plutôt un de ses proches, dans le but d'avoir une rançon. Oui, vous essayez de me faire chanter, quoi. Oui, voilà. En gros... C'est bon, par pitié, arrêtez, je vous la rends. En résumé, Inscription est le jeu parfait pour une soirée d'angoisse et de mystère. Un jeu qui se joue, mais qui se joue surtout de nous. En complément, si vous voulez un jeu de cartes pour jouer à deux sans trop se prendre la tête avec une collection de cartes, passez des heures à créer un deck parfait et dépensez plus de 400 balles pour qu'au final plus personne ne puisse vous blairer parce que vous êtes trop fort, eh bien tournez-vous plutôt vers le deck building. Le système de jeu est similaire, mais tout le monde commence avec un jeu égal. Et je vous recommande en particulier l'excellent Star Realm. Bon, c'est sur le thème des vaisseaux spatiaux, ça fait pas trop Halloween, mais j'adore les vaisseaux spatiaux. Et puis ça reste un très bon deck building. Ah c'est sûr, c'est mieux de jouer sans se mutiler. Bon bah j'ai gagné. Oh bah non. Bon, les infos de la créature maintenant. Tiens, voilà l'indice. Oh non mais je suis nul en énigmes. Mais mon garçon, telle est ma façon de voir le monde, de communiquer avec lui, le voir se prendre la tête face à mes calembours, plus compliqués les uns que les autres, telle est ma voix où tu vas. Bah c'est bon, j'ai trouvé, merci beaucoup hein. Vraiment cool le costume de Pharaon. Comment ça un Pharaon? Enfin mais je suis un sphinx, ça se voit. Enfin je sais pas, le costume, les énigmes, tout ça, enfin non. Deux doigts de se retrouver bloqués dans une boucle temporelle. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et n'oubliez pas, restez curieux. Bon, ça suffit maintenant, hein. Tu vas m'écouter. Tu sais très bien que je retiens ta coloc en otage. Donc si tu ne fais pas exactement ce que je te dis de faire, tu peux lui dire adieu. Oh mais non, vous allez pas la tuer. Mais tu croyais que j'allais lui faire quoi? Mais j'en sais rien, moi. Je fais des vidéos sur internet et je me bats contre les forces du mal. Je négocie jamais avec des tarés qui kidnappent des gens. Eh bien, si tu fais exactement ce que je te dis, tout va très bien se passer pour elle. Ok. J'écoute. Bien. Alors tout d'abord, tu vas me donner les codes de ton compte YouTube, et ensuite, tu vas pouvoir me donner... Bah alors, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, moi! T'as pas reçu mon message. Je nous ai trouvé une petite soirée... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh non, je suis désolée. J'ai totalement oublié qu'on avait le tournage aujourd'hui. Désolé monsieur, faux numéro. Mais... T'inquiète, je me suis débrouillé. Une soirée, tu disais ? Oui, une petite soirée ultra pittoresque à Salem. Bon, les filles sont toutes déguisées en sorcières, c'est pas très original, mais leur mise en scène de malade, genre de faux sacrifice humain, mortel. Ah, oui, ce genre de soirée. Bon, je crois que j'ai encore du boulot ce soir. Joyeux Halloween tout le monde !